Europe 1, de quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Nico Saliagas. Non, c'est sûr que j'étais pas le meilleur pour parler. Je m'exprime beaucoup mieux maintenant. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'écrire avec mes petites mains solides parce que c'est plus facile d'écrire que de parler. Parce que souvent, quand on parle, enfin, maintenant ça va mieux. Mais j'étais une sorte d'ancien bègue ou en tout cas dyslexique. J'avais beaucoup de mal. D'ailleurs, l'exemple est clair. Christian, lui, avait une voix très, très posée. Thierry aussi. Il savait exactement où il allait. Alors vous découvrez encore. Oui, et puis moi, je suis un ancien mime. Moi, je voulais être mime. Donc, il faut qu'il y ait l'image. C'est pour ça que moi, je voulais être metteur en scène. Je ne voulais pas être acteur au départ. Donc, après, je suis devenu acteur. Mais même les mots, j'ai beaucoup de mal avec les mots. Je suis un homme de détails. J'ai assez peu de sens de la répartie naturelle ou tout comme ça. C'est la répartie, mais sniper. La grande impro longue qui va avec des développements. Vous n'étiez pas prédestiné pour être devant. En fait. Je ne suis pas synthétique. Je suis plus l'Auguste que le clown blanc. Ouais. De quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air sur Europe 1.